Les conditions de travail des camionneurs se détériorent. Sur les routes, un grand nombre de portes leur sont fermées. They don't let us use the washrooms. Même au point de livraison, on voit des affiches sur les portes des salles de toilettes interdites aux camionneurs. Les gens pensent qu'on transporte le virus avec nous. What's difficult? Find food. Difficile aussi de trouver des repas. This is Petro-Canada in Glenholm. Certains ont entendu parler d'une petite station-service sur Facebook. This lady is amazing. Crystal Blair est la gérante de cette station-service pour camionneurs à Glenholm, en Nouvelle-Écosse, près de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. Consciente des défis vécus par sa clientèle, elle a décidé de leur donner un peu de répit. What do I do? Qu'est-ce que je fais ici? En ce moment, je leur donne à ces gars-là un repas chaud, accès à une douche, tout ça gratuitement. Je leur demande de laisser leur carte de crédit dehors. I'm a semi-retired trucker. Pendant l'entrevue, un camionneur semi-retraité l'approche pour lui donner un généreux pourboire. I sure hope so. Hope it's not too long. Vous voyez, c'est comme ça tout le temps. Et avec cet argent, on continue d'offrir plus de repas aux camionneurs, explique-t-elle. The first warm meal in 11 days. C'est son premier repas chaud depuis qu'il a quitté sa maison, il y a 11 jours. This is one of the only places that I know of that will actually look after us, guys. C'est un des rares endroits que je connais où l'on veille sur nous. Un des rares endroits aussi où ces camionneurs peuvent s'approvisionner non seulement en essence, mais également repartir le ventre plein et le cœur rempli. Ici Stéphanie Blanchet, Radio-Canada, Glenholm.